David Missé Toubé. Un violeur, d'accord. Un tueur, peut-être. Une brute, non. Ses dents cassées, ce visage fracassé par les coups, cette boucherie, ce n'est pas lui. Jamais il n'aurait frappé Annie Monneron avec une telle violence, jamais. Pendant 10 ans, tout le monde a cherché l'auteur de ce meurtre atroce commis en plein centre-ville de Montpellier. Pendant 10 ans, les fausses pistes, les problèmes techniques, les rebondissements juridiques ont failli faire capoter le dossier. La mère d'Annie Monneron en est morte de chagrin. Mais parfois, il suffit de pas grand-chose, d'une petite tache blanchâtre sur une veste pour faire basculer un destin, celui de David Missé Toubé. février 93, quartier de l'Écusson à Montpellier. Il est 3h30 du matin quand 3 copains rentrent de soirée. Ils passent la porte de leur immeuble et là, dans la cour intérieure, le corps d'une femme gît dans le sang. Les 3 amis se précipitent chez eux pour appeler la police. Les secours arrivent 10 minutes plus tard. La victime est à moitié dévêtue, le pantalon baissé sur les chevilles. Son visage est méconnaissable. Il n'y a plus rien à faire. C'était une scène de crime où la violence transpirait, puisqu'il y avait des éclats de sang un peu partout, une mare de sang par terre. Les traces sur la victime elle-même étaient... caractéristique de violence. La bouche était enfoncée, les dents avaient éclaté et avaient giclé sur le sol de cette entrée. La figure était complètement détruite par la violence des coups et des coups qui avaient été portés. La victime n'a aucun papier sur elle. Sur le carrelage plein de sang, les policiers recueillent plusieurs objets. Un gant en cuir noir, une boucle d'oreille, un billet pour un match de basket Montpellier-Lyon et un trousseau de clés avec une adresse. Donc on a récupéré les clés et avec les clés sur l'appartement qui portait le nom d'une jeune femme, on s'est aperçu de suite que les clés correspondaient. Dans l'appartement au premier étage de l'immeuble, les policiers font un relevé d'empreintes sur un mégot de cigarette et une tasse à café. Ils les comparent à celles de la victime, ce sont bien les mêmes. La jeune femme retrouvée morte dans le hall s'appelle Annie Monneron. Au petit matin, ils contactent la gendarmerie de la Mastre dans l'Ardèche pour qu'elle prévienne la famille. Le gendarme s'est présenté chez maman et il lui a dit donc qu'il était arrivé malheur à Annie et ça a été atroce. Elle est tombée et il a fallu l'emmener à l'hôpital. C'était sa fille, c'était la dernière et c'était sa petitoune quoi. Et c'est vrai que pour ma maman ça a été très très dur, elle est restée pendant... Je sais pas combien, je m'en rappelle plus combien de temps à l'hôpital. Hein. Ça a été triste pour tout le monde. Hein. Tout le monde s'est mis à pleurer. Et... Ça a été très, très dur. Annie était attendue le lendemain à la Mastre pour fêter ses 29 ans avec sa mère et ses 7 frères et sœurs. Maître Gérard Christol, vous êtes l'avocat de la famille d'Annie Monneron. Comment vous l'a-t-elle décrite ? Ils me l'ont immédiatement décrite d'une façon qui faisait un peu l'unanimité. C'est-à-dire une jeune femme d'origine rurale, hein, son cœur de l'Ardèche, simple. Simple au meilleur sens du terme. Hein, et qui était dans une nouvelle phase de sa vie, en ce sens qu'elle avait repris des études et elle était préparatrice en pharmacie. Et donc, elle vivait une vie, j'allais dire, joyeuse, hein, au sens général du terme, de célibataire,
N'ayant pas de contraintes, pas de responsabilités particulières, sortait beaucoup, fréquentait restos, boîtes, on veut comme on peut le faire à cet âge-là, avec beaucoup de dynamisme, de gaieté, de franchise et presque de naïveté. C'est-à-dire, c'était une jeune femme qui ne voyait le mal, qui ne voyait pas le mal, ou quasiment nulle part. Annie est la petite dernière d'une famille nombreuse. Ils font front, tous ensemble ? Ah oui, oui, totalement. Il peut arriver quelquefois dans des circonstances de cette nature que les chocs créent des divisions ou des appréciations différentes des uns des autres sur la conduite à tenir. Pas du tout. Là, c'est une famille extrêmement soudée. Autour de la maman, qui est toujours là, ben, fait front dans sa douleur pour le plus tôt possible mettre en route tous les éléments qui devraient parvenir à l'arrestation du coupable et à la punition. Donc, très unis. Dans les heures qui suivent le crime, les policiers interrogent les voisins d'Annie Monneron. Il y avait 3 ou 4 étages dans cet immeuble. Et c'est avéré que ce soir-là, il n'y avait pratiquement personne dans cet immeuble. Bizarrement, personne n'a rien vu ou rien entendu. C'est pourtant le quartier le plus animé de Montpellier, un quartier de fêtards, où il y a toujours du monde, où l'on trouve toujours un petit resto ou un bar ouvert. Surtout le samedi soir. Surtout ce week-end-là de février. Il faut préciser que l'enquête a été très difficile parce qu'au même moment à Montpellier, depuis quelques jours, on avait ce qu'on appelait les états généraux du rock. Donc il y avait un tas de gens qui venaient pour des soirées musicales assez mouvementées. Il y a des gens de passage, il y a beaucoup d'alcool forcément qui circule, il y a pas mal de drogue aussi, donc il y a des gens... Il y a des gens ivres dans la rue, il y a des altercations, c'est quelque chose qui fait partie un peu de l'animation nocturne à Montpellier. Les policiers font des dizaines et des dizaines d'auditions dans ces ruelles où les jeunes fêtards se mêlent aux petits trafiquants et à quelques délinquants. Nous, au journal, on appelait un peu le triangle de la mort la nuit parce que c'est vrai qu'il y avait très souvent des très nombreuses agressions au couteau, des bagarres sanglantes et beaucoup de faits divers, beaucoup d'actualités dans ces quelques rues. Qui sont en plein cœur de la ville. Ce crime, en plein centre historique de Montpellier, fait la une de la presse locale. À la pharmacie où Annie était responsable d'un petit laboratoire, c'est le coup de massue. Annie Monneron faisait partie de notre famille professionnelle. Très vite, elle s'est intégrée. C'est quelqu'un qui... C'était le soleil de la pharmacie. C'était quelqu'un qui riait tout le temps. Et avec qui tout le monde avait de bonnes relations. C'était quelqu'un de très convivial. Et professionnellement, nous, on avait des relations absolument excellentes, quoi. On passait toute notre journée ensemble. Annie, en fait, elle n'avait pas rencontré le grand amour et donc elle cherchait un petit peu l'âme sœur, je pense, comme tout le monde. Célibataire, Annie vivait seule dans son petit deux pièces de la rue des Trésoriers de France. Elle habitait là depuis 7 mois. Elle aimait beaucoup la fête, elle aimait beaucoup sortir, elle aimait... beaucoup rencontré de monde. Elle se faisait belle, quoi. Et elle se faisait belle et elle partait... pour aller danser, pour aller s'éclater. Elle avait peur de rien, Annie. Ça, c'est sûr qu'Annie, de ce côté-là, je lui ai toujours dit, moi, tu fais pas assez attention. Moi, je voyais quand elle sortait le soir toute seule comme ça, c'était pas très prudent qu'elle sorte toute seule comme ça. Une fêtarde dans un quartier chaud, c'est la première piste des policiers. Et les collègues d'Annie leur en apportent une autre. Une semaine avant sa mort, elle s'est sentie en danger. Elle est arrivée le matin au travail, et puis très vite, elle m'a raconté qu'il y avait eu du bruit derrière sa porte et dans la cage d'escalier de son immeuble. Et elle avait entendu une main sur la poignée, elle a entendu du bruit. Elle s'est approchée près de la porte et elle a entendu une voix qui disait « Et si elle était là ?» Pour qu'elle ait peur à ce point et qu'elle m'en parle, puisqu'elle ne se confiait pas, c'est que ça devait être assez perturbant. Une
information judiciaire contre X pour homicide volontaire est ouverte et une juge d'instruction est saisie, Claudine Laporte. Elle ordonne immédiatement l'autopsie du corps. Le 1er mars, les frères et sœurs d'Annie Monneron sont convoqués à l'Institut médico-légal de Montpellier. C'est vrai que ça a été dur parce qu'on savait pourquoi on y allait, quoi. Et donc on allait pour voir le corps. Et on savait que c'était la dernière fois qu'on la voyait. On ne savait pas les circonstances, on savait qu'elle avait été agressée, mais on ne savait pas exactement ce qu'il en était. On avait simplement su qu'elle avait reçu un coup avec un objet contondant. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on nous avait dit. Mais quand je l'ai vue, on a bien vu qu'il n'y avait pas que ça. Le rapport d'autopsie confirme le viol. Les sévices sont très lourds. La tête a été probablement frappée contre le sol. Le légiste relève plusieurs fractures du crâne, du nez, une plaie en forme de Z autour de l'œil. Des chocs si violents qu'ils ont entraîné une hémorragie cérébrale. Annie a également des dents cassées. L'une d'elles est même complètement arrachée. D'abord, elle avait résisté, elle avait des traces sur les doigts, sur les mains, qui matérialisaient qu'elle avait donné des coups. Et des coups violents pour se blesser ses mains. Ses genoux étaient également blessés. Il y avait des ecchymoses assez importantes qui matérialisaient que on l'avait maintenue à terre à quatre pattes. Annie Monneron a été tuée entre 2h et 2h30 du matin. Sur la cause de la mort, le légiste est formel. Elle est morte asphyxiée. Son cou porte des marques de strangulation. En examinant ses vêtements, il relève aussi une trace blanchâtre sur sa veste. Quand avec le légiste, on a saisi ces traces blanchâtres, on les a mises en procédure, c'était pour dire il y a eu viol ou pas viol. C'est du sperme ou pas du sperme. Et donc la science ne pouvait pas dire c'est le sperme d'un tel, puisqu'on ne travaillait pas sur la génétique encore. À cette époque, l'examen n'est pas encore routinier et il est coûteux. Peu de laboratoires pratiquent cette analyse. Mais la juge d'instruction ordonne tout de même une expertise génétique le 5 mars 1993. 2 mois plus tard, les résultats tombent. Le généticien n'a pas pu établir de profil génétique à partir des prélèvements faits sur le corps d'Annie. En revanche, la tache de la veste a parlé, la juge a un ADN, reste à retrouver son propriétaire. À cette époque, en 1993, le FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques, n'existe pas encore. Il n'est donc pas possible de remonter un coupable à partir de l'ADN. L'empreinte génétique découverte ne peut être que comparée à celle d'un suspect. Encore faut-il en avoir un. Les policiers n'ont pas le choix. Retour sur le terrain. Les policiers commencent par la rue des Trésoriers de France. Ils fouillent et refouillent l'appartement d'Annie. On trouve un colis qui n'était pas défait et qui était à son nom, et qui venait de Thaïlande. Qui plus est, il était sous le lit. Donc, tiens, curieux. C'est vrai que la vie à Montpellier, on ne savait pas trop comment elle vivait là-bas. Et vu ces colis, on se disait peut-être que finalement, elle faisait des choses qu'elle n'aurait peut-être pas dû, quoi. On avait peur qu'elle se mette dans la drogue, justement, ou qu'elle tourne mal, quoi. Les policiers font donc appel à un chien dressé pour la recherche de stupéfiants. Ils ont fait renifler au chien et apparemment, il a mordu dans le carton. Le chien marque. Mais bizarrement, le carton ne contient que des vêtements, pas de drogue. Les policiers poursuivent l'enquête et découvre qu'Annie rendait service à un ami commerçant. C'est chez elle qu'il faisait livrer les vêtements qu'il importait de Thaïlande, tout simplement. La piste se referme. Les policiers se concentrent alors sur l'environnement d'Annie. Ils contactent tous ses proches
grâce au répertoire qu'ils ont trouvé chez elle. On a pu savoir donc qu'elle fréquentait régulièrement, qu'elle allait souvent au restaurant Le Pouquiplan. Ce restaurant était géré par une personne qui était originaire du même village. Et elle y trouvait certainement un réconfort et un appui. Les amis et les collègues d'Annie racontent aux policiers qu'elle voyait très souvent le restaurateur ardéchois. Ils étaient très proches. Ils lui offraient des cadeaux, des fleurs et même de la lingerie. Les policiers entendent donc le gérant du Pou qui pleure. Il confirme, il aimait bien Annie, mais il n'a jamais été son amant. C'était une piste, oui, il fallait savoir ce qu'il avait fait ce soir-là et pourquoi il y avait offert des sous-vêtements. C'est quand même curieux. Le restaurateur mentirait-il sur sa relation avec Annie? Les policiers l'entendent trois fois, mais l'Ardéchois a un alibi qui le met finalement hors de cause. Grâce à lui, les policiers en savent un peu plus sur l'emploi du temps d'Annie. Il leur explique que ce soir-là, il est arrivé au restaurant vers 20h, 21h et il a raté Annie de peu. Elle venait de repartir pour se rendre à un match de basket. Ce sont ses employés qui le lui ont dit. Elle devait même repasser après la rencontre pour leur donner les résultats. Les policiers ont maintenant un point de départ pour reconstituer la nuit du meurtre. Et en plus, ils ont un coup de chance. Le match a été filmé. Spontanément, un témoin nous a dit « Mais on la voit à la télévision et faire trois à balayer les spectateurs un court instant pendant le match. » Et on la voit assise dans les tribunes. Annie, quelques heures avant sa mort. Et là, donc, il a fallu tenter d'identifier les personnes qui étaient autour d'elle. Étaient-ce des personnes qu'elle avait rencontrées, qu'elle connaissait? Photo en main, les policiers entament un travail de fourmi. Ils entendent une cinquantaine de spectateurs, parmi lesquels un homme qui a croisé Annie Monneron juste avant la rencontre aux abords du Palais des Sports Pierre de Coubertin. Il est très précis, il était 20h23. Il s'en souvient parce qu'il était en retard, il avait même peur de louper le coup d'envoi. C'est un garçon qui était prénommé Victor. Il nous a dit spontanément, oui, je la connais. Et il nous a dit l'avoir vu le soir du match, après avoir posé sa voiture sur le parking de stationnement. Je crois que lui, il était également sur le parc de stationnement. Il nous a dit qu'elle fréquentait le milieu du basket, lui-même étant un joueur amateur de basket. D'habitude, Victor et Annie se retrouvaient à la sortie de la salle pour commenter le match. Mais ce soir-là, ils ne l'ont pas fait. Et aucun témoignage ne permet de savoir si Annie a quitté le Palais des Sports, seule ou accompagnée. La piste du basket ne mène nulle part. C'est un peu plus loin que les policiers retrouvent la trace d'Annie. Boulevard Pasteur, entre le Palais des Sports et la rue des Trésoriers de France. Un homme l'a vu ce soir-là, il est portier au Teddy Beer, un bar qui organise des petits concerts et qui se trouve sur le parcours d'Annie. Ce garçon-là, d'entrée, va nous surprendre parce qu'il va nous dire « Oui, je la connais, je l'ai vue. Elle était habillée comme ça, comme ça. Elle portait une veste verte, elle portait un jean, elle avait ses chaussures. » Un peu montante, j'en reboute. Le portier raconte qu'Annie est arrivée vers 23h, 23h30. Elle était seule. Alors on lui a demandé qu'est-ce qu'elle avait fait dans l'établissement. Elle s'est mise au comptoir. Elle avait posé ses gants et son sac sur le comptoir. Et là, il nous parle d'un événement. Il nous dit qu'il va parler à quelqu'un qui était en train de chanter, qui faisait un bœuf avec l'orchestre. Qui est cette personne? Un prénommé David. Les policiers cherchent donc ce David. Ils interrogent tout le personnel du bar, ainsi que les membres du groupe qui jouaient ce soir-là. Et visiblement, le portier a confondu. Selon les musiciens, l'homme qui a parlé à Annie ne s'appelle pas David, mais Fred. Il s'en rappelle très bien, c'est un rasta. Il est monté sur scène pour chanter avec eux. Ce Fred, on l'interpelle. Effectivement, il nous dit oui, j'étais à la boîte ce soir-là. Oui, je lui ai parlé.
J'ai parlé à Annie Monneron, je la connaissais, oui. Ce soir-là, Fred avait beaucoup fumé et pas mal bu. Il ne se souvient pas de quoi il a parlé avec Annie, mais il n'a aucun doute sur la suite de sa soirée. Il fournit un alibi solide aux policiers, encore une piste qui s'effondre. Personne n'a vu Annie Monneron quitter le Teddy Bear. Les policiers perdent sa trace vers 1h, 1h30 du matin. Son corps a été retrouvé à 3h30. Tout ce que les policiers savent au final, c'est qu'Annie a été agressée et violée par un ou plusieurs hommes particulièrement violents. La crainte, c'était celui d'un acte commis par un individu de passage sur les lieux à ce moment-là et qui quittait la ville et qui repartait ni vu ni connu. Et là, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses parce que le meurtrier n'est pas arrêté, nous on ne l'arrête pas, et il peut recommencer. Sans piste sérieuse, la police fait appel à la presse. Un papier dans le journal local, l'ouverture des informations régionales. La police de Montpellier lance un appel à témoins pour tenter de trouver une piste dans l'affaire du meurtre d'Annie Monneron, une Montpelliéraine de 29 ans, tuée par un inconnu dans la nuit du 27 au 28 février 1993, rue des Trésoriers de France. Vous pouvez contacter la police urbaine au commissariat de Montpellier. Mais l'appel à témoins ne donne rien. Alors la police tente autre chose. En 1993, les crimes sexuels ne sont pas encore centralisés dans un fichier. Elle diffuse donc une note dans tous les commissariats de France, en espérant rapprocher ce viol d'autres affaires similaires. On sait, quand on fréquente les policiers du commissariat, que quelque part pour eux c'est un peu une obsession. Quoi. C'est vraiment une espèce de fil rouge qu'ils essaient toujours de faire progresser, sans résultat. De fait, l'affaire n'avance ni à Montpellier, ni dans le reste de la France. Aucun suspect, aucune nouvelle audition, aucune garde à vue. Le 10 novembre 1994, après 21 mois de recherche, le directeur d'enquête rend ses conclusions à la juge d'instruction. Les investigations pour retrouver le meurtrier d'Annie Monneron sont restées infructueuses. À la mort de sa fille, la mère d'Annie a plongé dans une profonde dépression. Ses enfants doivent désormais l'assister pour tout, chaque jour. La famille est désespérée. Eh bien, on croyait que la police s'en occupait pas, finalement. Parce que comme il n'y avait rien de concret, on ne savait pas exactement ce qui se passait. Hein. C'est sûr que c'était très difficile. Quand vous ne savez rien, on est là, on se pose des questions tous les jours, savoir qui c'est. Et même à savoir comment ça s'était vraiment passé. Hein. 3 années passent et l'enquête ne progresse pas. Les frères et sœurs d'Annie Monneron restent pourtant déterminés. Ils écrivent à plusieurs reprises à la juge d'instruction. On avait peur que la juge nous ferme le dossier au bout de tant d'années, et puis voilà quoi. Et c'était pour ça qu'on voulait la voir surtout aussi, puis pour savoir si elle avait rien de concret. Le risque, c'est que la juge d'instruction classe le dossier. Le 26 novembre 1996, elle finit par recevoir la famille d'Annie Monneron. Ses 7 frères et sœurs ont fait le déplacement. On avait fait pression en allant si nombreux au rendez-vous pour faire voir qu'on était bien déterminés à savoir qui était le meurtrier. La juge n'a malheureusement aucun élément nouveau à communiquer. Du coup, elle autorise la famille à participer à une émission de télévision sur une chaîne nationale. Témoin numéro 1. Presque 4 ans après les faits, des millions de téléspectateurs découvrent le visage d'Annie Monneron. Alors nous sommes donc, il faut le rappeler, en 1993, donc dans la nuit du 27 au 28 février. Je dis ça pour, bien sûr, parce qu'il est capital que les gens qui se sont peut-être promenés cette nuit-là dans Montpellier puissent éventuellement se souvenir d'avoir peut-être croisé Annie. On a fait cette émission, en fait, pour savoir un petit peu. On pensait quand même arriver à avoir des indices, pour voir un petit peu qui ça pouvait être.
Si vous avez des informations, il faut tout de suite appeler le 01 49 99. Et en fait, bon, c'était la dernière émission. Et finalement, on n'a pas su grand-chose. Quelques réponses farfelues, inexploitables. Pour la police et la famille, l'émission est une nouvelle désillusion. Maître Christol, comment gère-t-on une attente aussi longue, des espoirs déçus, quand on est l'avocat de la famille? Très honnêtement, c'est très difficile et je dois dire que c'est la seule fois où j'ai eu à gérer une situation de cette nature. La souffrance est là. Et on sait toujours que dans une affaire criminelle, quand la vérité n'est pas là, c'est une souffrance éternelle. Je veux dire, sans arrêt, ils me relancent assez souvent. Je leur dis ce que je peux leur dire, que l'enquête se poursuit, que nous n'avons pas d'éléments nouveaux. Ils appellent naturellement le magistrat instructeur qui leur dit la même chose. Ils ont le sentiment que tout n'est pas fait, ce que je peux facilement comprendre, que la police, la magistrature, le barreau ne va pas au bout du bout. Au printemps 97, la juge d'instruction demande au service de police de réentendre plusieurs témoins. Lesquels ? Alors, il y a le propriétaire du Pou qui pleure, qui est un établissement montpellierain. Il y a un musicien également, qu'elle avait fréquenté, que l'on a vu en sa présence. Et il y a aussi, je crois, le gardien ou le vigile de l'établissement, qu'elle fréquentait aussi, Utilibir. Et donc, à ce moment-là, Madame la juge fait faire des prélèvements ADN, auxquels ils se prêtent d'ailleurs très volontiers, puisqu'ils n'avaient absolument rien à se reprocher, et qui vont évidemment établir qu'ils n'ont absolument rien à voir avec la personne qui manifestement avait agressé Annie Monroe. Une fois de plus, fausse piste. Une fois de plus, fausse piste. Ces dernières vérifications faites, l'enquête est plus que jamais dans une impasse. Le non-lieu semble inévitable. Quand dans le courant de l'été 97, les policiers reprennent espoir. La piste surgit place Albert Ier, à la pharmacie où Annie travaillait. Sa remplaçante a des ennuis. Un homme la drague de manière insupportable. Cette préparatrice, qui était une jolie fille, était confrontée aux avances d'un voisin qui habitait dans le quartier, client, qui se montait très pressant auprès d'elle, qui la suivait, qui est allée, même était jusqu'à le soir jusqu'à son domicile, qui était en banlieue de Montpellier, qui l'a persécutée. Un harcèlement amoureux qui dure depuis près de 3 ans. Mais le 23 août 97, l'homme dépasse les bornes. Peu après 19h, alors que la préparatrice quitte son travail, il la suit. Il veut avoir une explication avec elle, lui parler. Elle refuse et se précipite dans sa voiture. Elle l'a repoussé et il a donné un grand coup de pied dans sa portière. Mais il y a détérioré la portière de sa voiture. Et elle est revenue en courant à la pharmacie, en pleurant. Donc là, j'ai ouvert, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, elle m'a raconté ses faits, qu'il l'avait frappé dans sa voiture, etc., qu'il était là, et qu'elle en a maintenant, qu'elle commençait à en avoir peur. Ah ben elle était dans tous ses états, elle pleurait, elle était comme quelqu'un qui n'en peut plus, à bout de nerfs. Et là, j'ai dit, écoute, faut que tu arrêtes maintenant, ça suffit, faut que tu portes plainte, parce que ça va aller trop loin, on ne sait jamais, et c'est ce que nous avons fait. Ce qui m'a intéressé, c'est le fait que cette personne avait remplacé Annie Monron donc dans la pharmacie de la place Albert Ier à Montpellier, et donc, c'était une piste quand même à ouvrir, savoir si on n'avait pas affaire à l'assassin d'Annie Monron en 93. Il s'agit de quelqu'un qui vit dans le quartier et qui fréquentait beaucoup les bistrots qui sont autour de la... et qui ont vu sur la pharmacie où travaillait Annie Monron. L'homme est immédiatement placé en garde à vue. Il reconnaît le harcèlement, son coup de colère, ses gestes de violence sur la voiture. La juge d'instruction le place en détention provisoire à Villeneuve-les-Maguelones, mais elle attend quelques jours pour l'interroger au sujet d'Annie. Il avait entendu, comme il s'intéresse à tout ce qui est fait divers, il avait entendu parler de l'affaire Annie Monron, de son crime, hein, mais n'avait rien à dire à ce sujet-là. Il était tout à fait innocent. L'homme nie, mais les policiers veulent y croire. Le juge ordonne tout de suite une comparaison ADN. Quelques semaines plus tard, les résultats tombent et les espoirs des enquêteurs s'effondrent encore.
le seul suspect interpellé dans cette affaire depuis 4 ans, est mis hors de cause. Jean-Pierre Mandiera, vous êtes nommé juge d'instruction à Montpellier en 2002. Le meurtre date de 93, ça fait presque 10 ans. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Eh bien d'abord, je découvre qu'en 1993, lors du viol et du meurtre, la police scientifique était quand même beaucoup plus balbutiante qu'aujourd'hui. Je découvre aussi qu'un certain nombre d'avatars ont entaché la procédure, notamment l'exploitation des scellés. Vous les retrouvez facilement, justement, ces scellés ? Précisément pas. Il a d'abord fallu les retrouver. Et certains avaient été perdus, ou en tout cas avaient subi des inondations, puisqu'ils étaient conservés à l'Institut de médecine légale de Montpellier, où ils avaient subi une inondation. D'autres avaient été confiés à un expert qui ne les avait pas restitués dans la région bordelaise. Il a donc fallu d'abord les retrouver. Donc vous ordonnez de nouvelles expertises, c'est ça ? Pour le scellé qui s'avérera être le scellé principal, oui, puisqu'il s'agit de la veste que portait Annie Monneron au moment des faits. Cette veste avait été, dès le départ, considérée comme étant le support d'une tache suspecte qui pouvait être une tache de sperme. Et bien entendu, ce support qui était cette veste était déterminant pour une exploitation récente en 2002 et 2003 par des techniques qui avaient beaucoup évolué depuis 10 ans. Et à ce moment-là, on va comparer cette empreinte à celle qui se trouve dans le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Absolument. Ce fichier, en 2003, est beaucoup plus développé qu'il ne l'était lors de la commission du crime, puisqu'il n'existait pas. Et on va pouvoir, évidemment, comparer cette tâche et cette trace grâce au fichier avec les auteurs d'infractions sexuelles qui sont désormais, eux aussi, obligatoirement prélevés et dont l'empreinte génétique figure dans ce fichier. Le 20 mars 2003, le FNAEG reçoit la demande du juge. On a ce dossier qui nous arrive, c'est pas qu'on avait établi une priorité, mais c'est quand même une affaire importante. Donc on vérifie, comme pour tous les dossiers qui nous arrivaient, la conformité de la demande. Et là, tout de suite, on s'aperçoit que l'on a une anomalie sur la réquisition transmise par le juge. Il manque la date de prélèvement et le nom du service qu'il a réalisé. Impossible de traiter la demande. Pour que le dossier soit valide, la procédure doit être suivie rigoureusement. Par curiosité intellectuelle, j'ai souhaité quand même vérifier si cette trace pouvait avoir un écho dans la base, sans pour autant la rentrer officiellement dans la base. Et là, en rentrant cette trace, on a constaté qu'elle correspondait à une trace d'un individu présent dans la base. J'ai pris contact immédiatement avec le cabinet du juge qui était en vacances et j'ai eu sa greffière à qui j'ai exposé le problème, à savoir que la réquisition qui nous avait été transmise n'était pas conforme. Donc elle a fait des recherches, elle m'a rappelé en disant « Écoutez, on a un problème, on ne trouve pas ces éléments. » Le FNAEG est coincé alors qu'il est sur le point d'identifier un suspect. Pour ne pas en rester là, le commandant du fichier appelle lui-même les policiers qui étaient sur la scène du crime. Il est persuadé que ce sont eux qui ont scellé les prélèvements. Après plusieurs coups de fil, sa ténacité paye, le dossier est enfin complet. Donc on l'a fait matcher officiellement. Et c'est vrai que c'est avec beaucoup de, pas de joie, mais on était heureux au service, puisqu'on allait pouvoir identifier l'auteur d'un assassinat 10 ans après, et que c'était le fichier qui allait permettre ce rapprochement. Le 11 août 2003, 10 ans après les faits, l'ADN parle enfin. Un nom sort, David Missé-Toubé. La presse peut enfin annoncer que la police tient un suspect. Mais je peux vous dire qu'on était contents. Tout le monde était content de savoir qu'ils avaient quand même trouvé quelque chose. Mais enfin, on n'était quand même pas sûr. On a dit, tant qu'on n'est pas sûr, il ne faut pas quand même trop se réjouir. Après tant d'années, la famille d'Annie redoute une énième déception. Cette annonce, au bout de 10 ans d'attente, est un nouveau choc pour la maman. Elle s'est laissée aller, quoi. Pour moi, elle s'est dit, c'est fini, quoi. Ça a brisé son cœur. Ça l'a carrément fait mourir.
qu'il y a donc un nom qui est sorti. David Missetoubé, c'est qui ? C'est un violeur en série, Frédéric. C'est quelqu'un qui a déjà violé 3 fois et qui a aussi fait une tentative de viol en 96 et 97, toujours avec le même mode opératoire, mais toujours la même chose. Il s'installe à un feu tricolore, il attend. Quand une voiture s'arrête avec une conductrice, une femme seule à bord, il l'aborde. Une femme qui n'a pas fermé les portières de sa voiture. Il monte à bord, il la menace avec un couteau ou un cutter. Il se fait conduire dans un endroit isolé, se livre à des attouchements et lui impose une fellation. Comment il est arrêté ? Alors, il est arrêté parce qu'une de ses victimes va le reconnaître dans la rue. Elle va chercher un policier. Le policier l'arrête quelques minutes plus tard. Et à ce moment-là, Missetoubé, il est en train d'attendre à un feu tricolore. Et dans sa poche, on trouve un cutter. Donc, il est placé en garde à vue. Il reconnaît les faits. Il va être déféré, écroué, placé en détention préventive. Et 2 ans plus tard, en octobre 1999, il est condamné par la cour d'assises de l'Hérault à 10 ans de réclusion. Hélène Valraud, vous êtes l'une des victimes de David Missetoubé. Vous avez croisé sa route en juin 1997. Que s'est-il passé très exactement ? J'étais arrêtée à un feu rouge et j'ai senti la voiture se secouer. J'ai regardé autour de moi, j'ai rien vu. Et après, dans le rétroviseur, j'ai vu un homme se redresser. Il était rentré dans la voiture. Et par l'arrière ? Par l'arrière. Je me suis retournée, il avait mis un opinel à ma taille en me disant « vite, vite, avance, vite, vite ». Et après, il m'a indiqué la route, continue, tout droit. Enfin, il m'a indiqué un itinéraire que j'ai suivi. Et après, donc, vous arrivez sur un chemin ? Voilà. Et là, j'ai arrêté et je dis « je ne vais pas plus loin ». Et là, j'ai vu un sourire qu'il commençait à avoir, qui était plus du tout gentil. J'ai eu l'impression à ce moment-là d'être vraiment une proie. J'ai compris qu'il y avait un gros danger. Il aurait pu vous tuer ? Vous avez senti ça ? Oui, j'ai pensé à être tuée, oui. J'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à mon frère, j'ai pensé à mes 2 sœurs, en me disant, peut-être que je ne les reverrai pas. Et là, il m'a dit « déshabille-toi ». Et j'ai pas voulu. Et comment il a réagi au fait que vous refusiez de vous déshabiller ? Il s'est un petit peu énervé, mais je ne voulais pas. Je voulais pas que ce soit moi qui... Enfin, qui l'excite, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? J'ai essayé de sortir de la voiture. Il m'en a empêché en me passant dessus et en refermant la portière. On s'est débattu à ce moment-là. Je voulais pousser la portière avec les pieds. Il essayait de la refermer. Il vous a frappé ? À un moment, il m'a tapé, oui, il m'a frappé, mais enfin, il m'a tapé d'énervement, je dirais. Et ensuite, j'ai réussi à passer du côté passager. J'ai ouvert la portière. J'ai couru, j'ai couru en ayant une immense peur qu'il soit juste derrière mon dos, juste derrière moi. Il n'a pas cherché à vous rattraper ? Non. Et je suis retournée sur la route pour interpeller une voiture. Qui vous a emmené ? À la gendarmerie de Saint-Gély-du-Fesc. Et là, vous avez appris que vous n'étiez pas la première victime ? Effectivement, il avait violé 3 filles, 3 jeunes femmes. David Missetoubé est certes un violeur en série. Mais a-t-il le profil d'un tueur ? Les policiers possèdent un épais dossier sur lui. Il leur a déjà beaucoup raconté sa vie lors des enquêtes pour viol. Y a-t-il un lien entre David Missetoubé et Annie Monneron ? L'homme est né en 69 dans une famille aisée. Son père, originaire du Cameroun, dirige une grosse entreprise de bâtiment. Sa mère, elle, est française. Elle est inspecteur du Trésor. David grandit dans le Gard, à Bessèges, avec son frère et sa sœur. À l'école, c'est un élève moyen, sans éclat particulier.
Il rencontre son premier avocat à l'âge de 28 ans quand il est arrêté pour viol. Quand on rencontre plutôt un personnage plutôt équilibré, plutôt agréable dans le rapport, plutôt affable, qui a parfaitement conscience des enjeux de cette procédure, qui est capable d'analyser, qui est capable de proposer et de réfléchir à une stratégie de défense. Donc absolument impossible d'imaginer que, à ce moment-là, que avant cette série de faits qui lui étaient reprochés, il avait pu commettre un fait bien plus grave. Intelligent, sensible, David Missetoubé donne facilement le change. C'est un ado normal, en apparence. À 15 ans, il commet sa première agression sexuelle. Il force une copine à le masturber. Elle prévient la police. Le père expédie son fils au Cameroun pendant un an. Une punition que David vit très mal. Et puis ses parents se séparent. Pour le jeune homme, c'est un traumatisme. De retour en France, David poursuit une scolarité médiocre, un CAP en bâtiment pour faire plaisir à son père. Il s'installe avec sa petite amie et mène une vie de couple plutôt classique, copain, soirée. Mais cette relation bat rapidement de l'aile. Il a une relation très insatisfaisante, puisque lui est en demande sexuelle intense, nous dit-il, et qu'elle cultive une relation platonique. C'est pour ça qu'il est allé chercher ailleurs. David est mal dans sa peau. Il n'a pas vraiment de travail, juste des petits contrats ponctuels dans l'entreprise de son père. Sexuellement, il est frustré, il s'ennuie, et du plaisir, il en veut coûte que coûte. C'est comme ça qu'il tente de s'expliquer quand il est interrogé sur ses viols. Il est d'une froideur affective qui est impressionnante. Lorsqu'il décrit encore une fois les faits qu'il reconnaît avoir commis, il l'énonce comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait agi. Il n'y a aucune compassion pour la victime, il n'y a aucune perception de la souffrance de l'autre. Ce qui peut paraître inquiétant, c'est de constater que quelqu'un de parfaitement équilibré, ou en tous les cas plus ou moins équilibré comme on peut l'être les uns et les autres par rapport à notre éducation, peut trouver son plaisir dans la frayeur qu'il inspire à l'autre. Il est capable de passer à l'acte uniquement parce qu'il ressent une forme de jouissance dans la peur qu'il a inspirée. Donc on est dans un plaisir qui est pervers. Un profil de violeur, une trace ADN, la fiche tirée du FNAEG semble la bonne. Monsieur le juge, en fait, c'est assez extraordinaire, mais il se trouve que vous connaissiez déjà cet homme. Oui, alors le hasard de ma carrière judiciaire m'avait effectivement fait rencontrer cet homme quelques années après le meurtre d'Annie Monneron, donc en 1994-95, puisqu'il a été condamné postérieurement aux faits pour des faits de viol et de tentative de viol, avec un modus operandi qui était d'ailleurs assez identique en définitive, la violence criminelle finale en moins, la violence meurtrière en moins, à celui d'Annie Monneron. Et à l'époque, quelle impression il vous avait faite ? Aucune impression particulière, il avait parfaitement reconnu tous les faits qui lui étaient reprochés. Rien ne laissait penser qu'il pouvait être aussi un meurtrier. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il aurait commencé par tuer. C'est un peu d'habitude, ça va crescendo. Là, c'est pas le cas. La différence majeure entre les dossiers Nîmois postérieurs au crime de Montpellier et au viol et au meurtre d'Annie Monneron, c'est la résistance de la victime. Manifestement, Annie Monneron a résisté avec la dernière énergie au crime qu'elle subissait. Les autres victimes nîmoises, elles, ont subi des viols sans résister physiquement de la même manière. C'est vraisemblablement aussi ce qui leur a sauvé la vie. On peut dire que sans les progrès de la science, on ne l'aurait jamais retrouvé. On peut le dire, puisque l'expérience montrera après que l'auteur présumé n'avait aucun lien, absolument aucun lien avec la victime, puisqu'aussi bien, il faut le souligner, l'enquête initiale qui avait été menée de façon classique avait été très complète, très exhaustive, et personne n'avait ménagé sa peine pour découvrir l'auteur dans l'entourage habituel de la victime ou dans toutes sortes de pistes qui avaient pu être exploitées et qui, hélas, étaient toutes avérées négatives. Annie Monneron, on sait qu'elle était un peu fêtarde, qu'elle aimait sortir dans les boîtes afro. Elle peut très bien avoir croisé à l'époque Missetoubé.
Et ça explique peut-être la tache blanchâtre qu'on a sur sa veste. Ça ne fait pas de lui forcément un coupable. La tache sur la veste, donc, est une tache de sperme. Ce qui veut dire que si elle l'a rencontré, vous conviendrez avec moi qu'ils ont eu des échanges qui étaient de nature sexuelle. Et le décès dans des conditions atroces de la victime semble indiquer que ces relations sexuelles n'étaient pas de sa part consenties. Mais peut-être qu'elle avait eu ces relations sexuelles avant avec lui. C'est peu probable parce que dans ce cas, il aurait effectivement été acquis pour tout un tas de témoins que la victime connaissait l'auteur présumé, ce qui n'a jamais été établi dans le dossier. Le juge a donc maintenant un nom, celui d'un violeur en série. Mais il reste à prouver que David Missetoubé est aussi le tueur d'Annie Monneron. L'instruction peut donc commencer. C'est un homme en prison depuis 6 ans que les policiers de Montpellier vont interroger. David Missetoubé est incarcéré à Bédenac, dans les Charentes-Maritimes, un centre de détention pour fin de peine. Depuis un an, il bénéficie de permissions de sortir en attendant une possible libération conditionnelle en septembre. On a l'impression qu'il attendait notre venue, quoi. Il n'est pas réellement surpris. Enfin, il exprime rien, mais c'est vrai, c'est un ressenti. Donc on le transporte jusqu'à Saintes. On lui notifie sa garde à vue et on commence une première audition. Il commence en disant, ce qui est une entrée en matière, c'était une période trouble de sa vie où il se souvenait pas bien, il allait pas bien. Et rapidement, il dit qu'il consent à s'expliquer et il parle très rapidement de l'agression qu'il a commise. David Missetoubé raconte que le soir du crime, il est venu à Montpellier pour assister à un concert de rock avec sa petite amie et deux copains. Ensuite, il est allé boire un coup tout seul. Il était dans un établissement, bon, il reste très vague sur le lieu où il était. Il boit beaucoup, beaucoup trop, selon ses dires. Il dit qu'il erre dans les rues de Montpellier et que, fortuitement, il suit une femme, il se rapproche d'elle. Et quand elle rentre dans le hall de son immeuble, il la suit. Je suis rentrée, je me suis retrouvée dans un hall d'immeuble, je lui ai demandé de l'embrasser, elle m'a dit tu vas trop vite. J'ai réessayé, elle m'a repoussée. À ce moment-là, je lui ai donné un grand coup. Alors au début, il dit je ne sais plus si ma main était ouverte ou si ma main était fermée. Donc il parle d'un seul coup de poing au niveau du visage. Et donc elle s'appuie contre le mur, surprise, ou peut-être le choc violent, et il lui demande de lui pratiquer une fellation. Il reconnaît de s'être fait faire une fellation. Il reconnaît s'être mis sur elle à califourchon, lui avoir serré la gorge et l'avoir bâillonné avec sa main. Et ensuite être parti. Il ne dit pas l'avoir tuée, mais en revanche, il dit que lorsqu'il part, elle était morte parce qu'il il lui donne un coup de pied et elle pousse un râle qui, selon lui, est son dernier soupir. 48 heures de garde à vue, 3 auditions, et Missetoubé ne donne rien de plus aux policiers. Lui a toujours indiqué qu'en ce qui concernait Mademoiselle Monneron, il n'avait jamais pénétré cette jeune femme avec son sexe. Et il a également dit qu'il n'avait jamais voulu tuer Mademoiselle Monneron. Ça a été toujours, toujours, toujours un discours absolument constant. Tout le temps de la garde à vue, il est resté très calme. Il n'y a, pas eu de moments de colère ou... Il n'émet pas vraiment de regrets, quoi. Simplement il répond aux questions, il minimise son implication, sans plus. David Missetoubé admet qu'il était saoul et qu'il avait fumé des pétards. Mais il le répète plusieurs fois, il a dit aux policiers tout ce dont il se souvient. Alors le juge d'instruction revient à la charge. Et les coups, et les blessures, c'est qui? Cette fois, Missetoubé se décompose. Quand il voit quand il a connaissance du rapport d'autopsie, il dit « mais c'est une boucherie, la personne s'est acharnée ».
Moi, je ne me suis jamais acharnée sur personne. Donc, la jeune fille présente notamment une plaie au visage en forme de zigzag qui est assez profonde. Il dit « Moi, je n'avais pas de bague et je ne lui ai pas porté d'autre coup au visage que ce coup-là. » La jeune fille a le nez cassé, une pommette extrêmement enflée et elle a perdu une dent qui s'est déchaussée sous la violence du choc. Il dit « Moi, je n'ai pas porté d'autre coup que cet unique coup. » Un récit des faits qui ne colle pas avec les conclusions du légiste. La défense tente une explication. David Missetoubé dit à un moment que pour la faire taire, il l'a secouée. Il l'a secouée et on peut tout à fait penser que ses blessures à l'arrière du crâne aient pu être provoquées au moment où, pour la faire taire, dans sa déclaration à lui, il la secoue et qu'à ce moment-là, il dit, et d'ailleurs j'étais complètement paniqué, et il est fort possible qu'à ce moment-là, la tête de Annie Monneron ait tapé le sol et que les blessures arrivent à ce niveau-là. Pour le reste, cette boucherie, c'est pas lui. Le 4 février 2004, le troisième juge d'instruction en charge de l'affaire organise une reconstitution rue des Trésoriers de France. Il espère bien que David Missetoubé retrouvera la mémoire dans le hall de l'immeuble. David Missetoubé a-t-il suivi Annie Monneron ? Avait-il d'emblée l'intention de la tuer ? La reconstitution doit aussi répondre à ces questions. Nous, on se retrouve pour la première fois dans cette petite cage d'escalier de cet immeuble, une petite rue étroite de Montpellier, et où on regarde ces boîtes aux lettres, on regarde le sol. On a vu tous les photos de la scène de crime qui sont particulièrement insoutenables. Et c'est vrai que rentrer déjà dans ce petit hall d'immeuble est quelque chose de tout à fait particulier. Missetoubé qui rentre, menotté, et qui lui dit tout de suite comme un mépris. Non, je ne reconnais pas. Je sais pas, je reconnais pas l'endroit, j'étais pas là, et qui repart dans l'estafette sans un mot de plus. Donc c'est évidemment une déception pour nous. Lui donne une description des lieux qui n'a strictement rien à voir avec l'endroit et le lieu où l'on a retrouvé Mademoiselle Monneron. Donc il dit moi, j'ai agressé quelqu'un à cet endroit-là. Une déclaration inattendue qui met fin brutalement à la reconstitution. C'est la reconstitution la plus rapide que j'ai vécue, parce que c'est vraiment dans l'instant. Il dit non, c'est pas ici, et donc à partir de ce moment-là, chacun repart, lui à la maison d'arrêt, nous dans notre service. Sans revenir vraiment sur ses aveux, Missetoubé ne reconnaît pas avoir agressé Annie Monneron dans son immeuble. Premier coin dans les arguments de l'accusation. Et la défense tente d'en enfoncer un autre. Elle s'attaque aux expertises génétiques. J'étudie mon dossier et je trouve quelque chose d'absolument extraordinaire. Je m'aperçois que le laboratoire auquel le juge d'instruction a confié une partie des scellés, notamment la trace blanchâtre sur la veste et d'autres prélèvements, que ce laboratoire qui avait l'agrément a sous-traité à un autre expert les expertises génétiques. Et je m'aperçois également que cet expert n'était pas accrédité. À ce moment-là, je vais faire de la procédure, c'est-à-dire que je vais saisir le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, d'une requête aux fins de nullité d'une partie de la procédure, et notamment de tout ce qui concerne l'analyse des scellés. L'histoire remonte au tout premier temps de l'enquête. Le 5 mars 1993, la juge d'instruction avait demandé une expertise génétique à partir des scellés de la scène de crime. C'est cette analyse qui a été faite par un expert non habilité. La justice ne peut donc pas exploiter les résultats obtenus, c'est la loi. La seule et petite chose qui raccroche David Missetoubé à cette victime-là, ben finalement, c'est cette trace d'ADN. Et donc, mon intérêt à moi, d'un point de vue de la défense que je dois à ce garçon, c'est d'essayer de faire annuler la procédure. Et à partir du moment où mon client dit, ben écoutez, moi, c'est pas moi, vous n'avez plus mon ADN, et tout est possible après, et tout est envisageable en termes de peine et voire d'acquittement. Si la défense réussit à faire annuler les expertises ADN, si David Missetoubé revient sur ses aveux,
le dossier n'est plus qu'une coquille vide. Pour la famille Monron, c'est évidemment un outrage de plus, parce que maintenant on a un nom, que celui qui est responsable probablement de ça essaye de disparaître, de s'enfuir encore, alors qu'elle pensait le tenir. Dominique, la Défense lance une grande procédure pour faire annuler toutes les expertises réalisées en 1993. Pourquoi ? Eh bien, la Défense demande l'annulation de ces expertises et des scellés au motif que les analyses n'ont pas toutes été faites par des experts assermentés. Les expertises de 1993, les scellés de 1993 et les expertises de 2003 qui ont été faites à partir des scellés de 1993 ouverts par des experts qui n'étaient pas assermentés. Donc c'est tout un pan de la procédure qui va s'effondrer et le 28 juin 2004, la chambre de l'instruction, l'ex-chambre d'accusation, va dire à la Défense « Vous avez raison, on annule tout un pan du dossier, on cancelle le dossier. » Ça veut dire quoi ? Canceller ? Alors, canceller, ça vient du latin « cancellare », biffer, rayer, annuler. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est une procédure assez rare. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est le dossier cancellé de l'affaire Missetoubé. C'est-à-dire qu'on a pris un marqueur, on a rayé toutes les expertises et tous les scellés qui n'existent plus, qu'on ne peut plus utiliser. C'est terminé. Ça n'a jamais existé. Et toutes les expertises ont été comme ça annulées. Sauf une, Frédéric. Le scellé numéro 9. Heureusement pour la justice. Le scellé numéro 9, c'est la veste. Donc la justice va considérer que si les prélèvements biologiques de 1993, on peut considérer qu'ils ont été altérés parce que ouverts par des experts pas suffisamment professionnels ou assermentés, la veste en revanche, c'est un vêtement. Et le vêtement, il ne s'est pas altéré. Donc en 2003, on peut toujours procéder à des prélèvements ADN et on va retrouver, en faisant ces prélèvements, l'ADN de Missetoubé, le scellé numéro 9, n'a pas été annulé, malheureusement pour lui. David Missetoubé tombe sur une petite tache blanche, la trace qu'il a laissée sur la veste de sa victime. La Défense accuse le coup. Si vous avez un ADN sur le corps d'une personne qui est décédée et que cet ADN provient de ce qui est identifié comme étant du sperme ou du liquide séminal, dans une affaire dans laquelle on suppose des violences sexuelles, bien entendu, vous êtes pris et archi-pris. Quand l'accusation détient une preuve aussi importante que celle-là, la reine des preuves, la preuve, etc., etc., pensez bien que l'accusation va tout mettre en œuvre à tous les échelons de la hiérarchie judiciaire. Hein, je ne parle pas que du juge d'instruction, de la chambre de l'instruction. Je parle aussi de la cour de cassation. Hein, on va jusqu'au bout. Et on a pas, je dirais qu'on n'a pas une chance sur mille. Maître Christol, comment la famille d'Annie Monron a-t-elle réagi à cette bataille de procédure ? Très mal. Très mal. Alors il fallait que je leur explique sur un plan, je dirais, un peu pédagogique. Qu'ils ne faisaient que leur travail, mes confrères, que c'est la loi, que c'est la procédure pénale, et que même si on a envie d'étrangler quelqu'un, n'est-ce pas, qui est en garde à vue parce qu'on est convaincu que c'est l'assassin de son enfant, il y a des règles. Nous sommes un pays de droit et il faut respecter ces règles. Alors c'est lourd, c'est difficile, parce qu'il y a une incompréhension légitime. Ils avaient le sentiment que ce garçon qui finissait de purger une peine précédente allait peut-être, effectivement, avec des remises de peine, sortir. Et que, alors qu'ils étaient convaincus naturellement de la culpabilité, on allait peut-être lâcher quelqu'un qui était l'assassin de leur fille. Vous êtes confiant pour le procès à venir ? Oui, je suis confiant parce que nous avons encore une fois cette preuve scientifique. Mais un procès d'assises étant ce qu'il est, on n'est pas certain absolument du résultat. C'est-à-dire que je suis confiant, mais extrêmement vigilant. Et alors quel est l'enjeu pour la partie civile de ce procès ? L'enjeu, c'est la vérité. Toujours la vérité. Donc c'était non seulement de faire la démonstration de sa culpabilité, mais essayer de le faire sortir de lui-même et du déni dans lequel il était, pour véritablement que ces gens puissent faire leur deuil, c'est-à-dire qu'il avoue voilà, ce qu'a été notre combat jusqu'à la fin. Le procès de David Missetoubé s'ouvre devant la cour d'assises de l'Hérault le 23 octobre 2006, au terme de 13 ans d'enquête. Un dénouement
auquel plus personne ne croyait après tant de rebondissements. Il y a 13 années qui se sont passées depuis le crime, et en 13 années, il y a beaucoup de choses forcément qui ont changé. Il y a un des moments où on s'en rend compte, c'est quand l'inspecteur Collet vient raconter que le rapport de synthèse qu'il a rédigé sur l'affaire Mandron, c'est le premier rapport qu'il a tapé sur un ordinateur. Et là, effectivement, on mesure le décalage entre... On est passé quelque part de l'âge de la machine à écrire à l'ADN, la génétique, les expertises, et ça, c'est... On mesure effectivement tout ce qui s'est passé pendant ces 13 années. La famille d'Annie Mandron fait face à David Missetoubé pour la première fois. On s'attendait à quelqu'un de plus sauvage, plus... Il était grand, beau garçon, vraiment un bel homme. Et il nous a beaucoup regardé. Il baissait pas les yeux. La défense joue d'emblée la seule carte qu'elle a en main, les analyses génétiques. Une fois de plus, elle les remet en cause. Les avocats de David Missetoubé bousculent l'expert. Comment peut-il extraire de l'ADN sur des scellés vieux de 10 ans? Est-ce que l'ADN finalement est fiable à 100%? Parce qu'il m'apparaît que cela n'est pas fiable à 100% d'après les grands spécialistes. Et je me rappelle d'une époque où on examinait des cheveux, où on a condamné un nombre incroyable de personnes sur des écailles de cheveux, et on s'est aperçu plus tard que le laboratoire qui faisait cela avait trafiqué les résultats. Donc l'ADN n'est peut-être pas non plus la panacée en matière de vérité judiciaire. Mais l'argument de la défense ne convainc personne. Et Missetoubé est enlisé dans son passé de violeur en série. Ça joue nécessairement contre lui parce qu'on voit aussi ce qu'il a été capable de faire par ailleurs. Donc ça vous donne le profil de quelqu'un, un profil beaucoup plus désagréable que s'il n'y avait eu qu'une seule affaire. Il a commencé à 15 ans, il a recommencé en 93, il a reconnu à minima, mais il a reconnu le viol d'Annie Mandron, et il a été condamné en 97 et 98 pour toute une série de viols, donc manifestement, les choses ne se sont pas arrangées. Il s'agit donc, à mon sens, bien évidemment, d'un être socialement dangereux. Cette dangerosité, Missetoubé ne la reconnaît toujours pas. Pendant 3 jours, l'accusation et la partie civile le confrontent donc à sa violence. La famille revit pas à pas le calvaire d'Annie. C'est très dur parce qu'ils expliquent tout le détail de ce qui s'est passé en fait. Qu'elle a ramassé des coups de pied au ventre, à la tête. Pendant tout le procès, on a le sentiment qu'il donne un scénario qui ne colle pas avec la réalité. Notamment, il refuse d'assumer la violence des coups qu'il lui a portés alors qu'on sait que ça a été d'une extrême violence puisqu'elle a eu des dents cassées. Donc on est dans une espèce de scénario d'évitement assez étonnant. Et jusqu'au moment où la sœur d'Annie Mandron vient témoigner, et effectivement après ça il s'excuse, et il a une phrase qui donne quasiment des aveux puisqu'il dit « Je sais que je suis à l'origine de leur douleur et de leur malheur ». Et là c'est le moment où il reconnaît quasiment qu'effectivement c'est bien lui qui a tué Annie Mandron. David Missetoubé fait aussi entendre à la famille les derniers mots d'Annie. Il raconte qu'il la suit jusque devant chez elle, il essaie de l'embrasser, et à ce moment-là, il lui dit « Tu vas un peu vite, c'est pas comme ça qu'on drague les filles ». Et cette phrase, effectivement, c'est une phrase qui apparaît au procès, et visiblement, là, on a l'impression de la revoir vivante dans la description qu'en fait son agresseur. L'avocat général requiert une peine de 30 ans assorti d'un suivi socio-judiciaire. Les jurés vont au-delà. Le verdict tombe le 26 octobre 2006. David Missetoubé est condamné à 30 ans de prison avec une période de sûreté de 20 ans. Je pense que, et j'en suis certaine, que les jurés ont pris en compte la première affaire, qui était en fait la seconde, et qu'on lui a fait le prix comme s'il était en état de récidive légale. David Missetoubé n'a pas fait appel de sa condamnation. Cette affaire est l'un des premiers crimes sexuels résolus grâce au fichier des empreintes génétiques.